Bien, ben bonjour. Alors, je voudrais commencer par remercier Nicolas Bourbaki pour cette invitation. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est un problème d'analyse fonctionnelle, de formulation très élémentaire, comme vous allez voir, qui a été proposé il y a plus de 70 ans, on peut dire, et qui s'appelle le problème scalaire plus compact. Alors, il a été résolu en 2009 par Argueros et Haydon, grâce à un ensemble d'idées et de techniques vraiment novatrices que je vais tâcher de vous présenter. Alors, donc dans une première partie, je vais présenter les résultats principaux du travail d'Argueros et Haydon. Alors, le contexte est le suivant. Donc, dans tout l'exposé, X désignera un espace de Banach réel, séparable et de dimension infinie. Et je noterai B de X, l'algèbre des opérateurs linéaires bornés sur X. Alors la question de départ est la suivante, avec aussi peu d'informations que ça, quels opérateurs peut-on construire sur X? Alors, les réponses immédiates qui viennent à l'esprit, c'est ben, d'abord, il y a bien sûr les multiples de l'opérateur identité. Donc ça, on appelle ça les opérateurs scalaires. Ensuite, dans un cadre aussi général, ben, presque l'unique outil d'existence qu'on a, c'est le théorème de Hahn-Banach, qui vous donne l'existence de formes linéaires continues sur l'espace. Et donc, à partir de ça, on peut construire des opérateurs de rang 1. Donc, étant donné un vecteur de l'espace et une forme linéaire continue sur le dit espace, eh bien, on peut lui associer ainsi un opérateur de rang 1, donc qui a z associe x étoile scalaire z, x. Alors, bien sûr, à partir de ça, il y a les opérateurs de rang fini, qui ont de manière générale cette forme-là. Et puis, on peut passer à la limite et considérer des séries convergentes d'opérateurs de rang 1. Donc ça, ce sont des opérateurs qui ont la forme suivante. Donc on prend une série d'opérateurs de rang 1. Et pour que ceux-ci définissent bien un opérateur borné sur l'espace, on impose que cette série soit convergente. Alors, ces opérateurs ont un nom qui leur a été donné par Grothendieck. Il s'appelle opérateur nucléaire. Et bien sûr, une observation simple, c'est que tout opérateur nucléaire est compact, simplement parce que n'importe quel opérateur nucléaire et limite en norme d'opérateurs de rang fini. Bon, et puis, bien sûr, très astucieusement, il y a les opérateurs qui sont somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur nucléaire. Voilà. Et sans information supplémentaire sur l'espace, l'histoire pourrait s'arrêter là. On n'a pas d'autre moyen général de construire des opérateurs bornés sur l'espace. Alors bien sûr, si on connaît d'autres choses, un cas extrême, si vous avez un espace de Hilbert, eh ben, on peut évidemment construire beaucoup plus d'opérateurs sur l'espace, mais dans ce cadre général, ce n'est pas le cas. D'où la question suivante. Existe-t-il un espace de Banach X séparable, de dimension infinie, bien sûr, tel que tout opérateur sur l'espace s'écrive sous la forme d'un opérateur scalaire plus un opérateur nucléaire.
Alors, cette question, elle remonte aux travaux de Grothendieck, 1953. Et il y a bien sûr dans cette question une sous-question. Déjà, sachant que tout opérateur nucléaire est compact, on peut se demander s'il existe un espace sur lequel tout opérateur est de la forme scalaire plus compacte. Alors l'origine de cette question, elle est un tout petit peu moins bien identifiée que dans le problème scalaire plus nucléaire, même si c'en est évidemment un sous-produit. Alors il semble que la première fois qu'elle ait été énoncée en tant que telle, c'est dans les actes du séminaire Choquet de 1976, un exposé de Joram Lindenstrauss, où il présente une liste de 18 problèmes ouverts en théorie des Banach, et ce problème-là, c'est le premier, et il esquisse déjà des propriétés remarquables qu'aurait un espace ayant cette propriété, ainsi que des conséquences. Alors, le problème, donc le résultat dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais peut-être l'énoncer tout seul, pour que l'énoncé reste un peu au tableau, donc apporte une réponse à ce problème scalaire plus compact. Donc c'est un résultat qui est dû à Spyros Argyros et Richard Haydon. Donc ça a été démontré en 2009, publié à Acta Mathematica en 2012. Et il démontre donc qu'il existe un espace de Banach séparable de dimension infinie, sur lequel tout opérateur est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Donc, dans la suite de l'exposé, je dirais qu'un espace qui a cette propriété possède très peu d'opérateurs. Donc ça apporte donc une solution complète au problème scalaire plus compact. Alors le problème scalaire plus nucléaire est lui toujours ouvert, et le meilleur résultat qu'on connaisse aujourd'hui sur ce problème est dû à Gilles Pisier, 1983, où en fait Pisier construit un espace séparable de dimension infinie, ayant la propriété que les produits tensoriels injectifs et projectifs de P avec lui-même coïncident. Et dans le cours de sa construction, il obtient que cet espace en question a la propriété que tout opérateur borné sur P, qui est limite en norme d'opérateur de rang fini, donc ça, on note ça traditionnellement comme ça, tout opérateur qui est dans l'adhérence des opérateurs de rang fini est automatiquement nucléaire. Mais comme les espaces de Pisier n'ont pas la propriété d'approximation, on ne peut même pas déduire de ça que tout opérateur compact est nucléaire. Ça, c'est quelque chose qui est encore ouvert. Alors, donc, je vais maintenant vous présenter quelques conséquences du résultat d'Argyros et Haydon. Alors, ces espaces-là, construits par Argyros et Haydon, je les noterai XAH, AH comme Argyros et Haydon. Alors, ces espaces, quelles propriétés ont-ils? Alors, la première série de conséquences concerne l'algèbre B de X à H. Donc, bien sûr, les opérateurs compacts forment un hyperplan fermé de B de X à H. Et cet espace d'opérateurs, il est petit en plusieurs sens. Il est, par exemple, séparable pour la topologie de la norme. Il est même moyennable en tant qu'algèbre de Banach. Et dans les deux cas, les espaces d'Argyros et Haydon fournissent les premiers exemples d'espaces tels que B de X est petit en ce sens-là. Alors, la deuxième série de conséquences concerne ce qui est probablement à l'heure actuelle le problème ouvert le plus célèbre en théorie des opérateurs,
qui est le problème du sous-espace invariant. Alors, en toute généralité, il s'énonce ainsi. Donc, si on se donne un espace de Banach séparable de dimension infinie, un opérateur borné sur X, on se demande quand est-ce qu'il existe un sous-espace de X, donc même c'est un sous-espace fermé de X, qui est non trivial au sens que M est différent de 0 et X, et M est invariant par T. Alors, posé dans cette généralité, ce problème a été résolu dans les années 70-80, donc d'abord par Enflo et ensuite par Reed. Et la réponse qu'ils ont apportée à ce problème est négative. Donc, les noms, c'est d'abord Enflo et ensuite Reed. Donc, ils ont tous deux construit des exemples d'espaces de Banach très compliqués au début et d'opérateurs dessus ayant la propriété de ne posséder aucun sous-espace invariant non trivial. Alors, par la suite, Reed a beaucoup raffiné ses constructions et il a obtenu des contre-exemples au problème du sous-espace invariant sur des espaces classiques comme petit L1 ou petit C0. Et de fait, on peut pousser ces méthodes relativement assez loin, puisque on peut construire des contre-exemples de cet acabit-là sur tout espace qui a l'une de ces formes. Donc, ce que je désigne comme ça, c'est une somme directe petit lp d'un nombre infini, dénombrable de copies de l'espace Z, où Z est un espace non réflexif qui possède une base de Schröder. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu démontrer avec Maria Roginskaya, qui a co-signé le texte que vous avez en main. Mais tous ces exemples, vous le voyez, ce sont sur des espaces non réflexifs. Et le problème du sous-espace invariant est ouvert dans le cadre réflexif, et en particulier dans le cadre hilbertien. Et c'est dans le cadre hilbertien que ce problème-là est le plus connu. Alors, comment est-ce que le résultat d'Argyros et Haydon s'inscrit dans ces questions relatives au problème du sous-espace invariant? Alors, un corollaire presque direct du résultat d'Argyros et de Haydon, c'est qu'il existe des espaces, donc de dimension infinie séparable, sur lequel tout opérateur a un sous-espace invariant non trivial. Donc, les espaces XH ont cette propriété, et pour le démontrer, il suffit de faire appel à un résultat des années 30 d'Aronson et Smith qui vous dit que n'importe quel opérateur compact a un sous-espace invariant non trivial. Et bien sûr, les espaces d'Argyros et Haydon fournissent les premiers exemples d'espaces ayant cette propriété. Voilà. Alors, donc je vais maintenant. Alors, comme vous vous en doutez, ces espaces possédant très peu d'opérateurs, ce sont des espaces bizarres. Donc, je vais tâcher de vous présenter quelques propriétés remarquables de ces espaces construits par Argyros et Haydon. Alors, donc, la première propriété qui est, je pense, bon de mettre en évidence, c'est que ces espaces, donc, ils sont ce qu'on appelle indécomposables. Alors, en fait, n'importe quel espace possédant très peu d'opérateurs, donc, c'est-à-dire, je vous rappelle, n'importe quel opérateur dessus est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact, donc n'importe quel opérateur avec cette propriété est indécomposable. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il n'existe pas de sous-espace Y et Z. Donc, quand je dis sous-espace, c'est toujours sous-espace fermé. Donc, de sous-espace de dimension infinie, tel que X puisse s'écrire comme somme directe topologique de Y et Z.
Alors, ça, c'est quelque chose qui est facile à voir parce que si vous avez une telle décomposition de l'espace avec des sous-espaces de dimension infinie, eh bien, vous pouvez considérer la projection de x sur y parallèlement à z. C'est un opérateur borné qui ne peut évidemment pas s'écrire comme somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Donc ça, c'est une propriété que XH possède et que, de toute façon, n'importe quel espace possédant très peu d'opérateurs doit avoir. Alors, les espaces d'Argyros et Haydon, ils ont en fait une propriété plus forte. Ils sont ce qu'on appelle héréditairement indécomposables. Alors ça, ça veut simplement dire que n'importe quel sous-espace de Y est indécomposable. Donc c'est cette propriété pour tous les sous-espaces. Et ça, traditionnellement, on le note HI pour héréditairement indécomposable. Alors, les espaces d'Argyros et Haydon ne fournissent bien sûr pas les premiers exemples d'espaces héréditairement indécomposables. Les premiers exemples ont été construits par Goerz et Moret au début des années 90. Et on peut dire que ces espaces ont été en quelque sorte le premier pas vers la solution du problème scalaire plus compact, puisque Goerz et Moret ont montré que sur un espace héréditairement indécomposable complexe, eh bien tout opérateur, alors je l'écris pour un espace de Goerz-Moret, mais c'est vrai plus généralement, T est la somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur strictement singulier. Alors, je vous rappelle, un opérateur est dit strictement singulier s'il ne réalise jamais un isomorphisme d'un sous-espace de dimension infinie sur son image. Donc, un opérateur compact est toujours strictement singulier, la réciproque n'est pas vraie, mais malgré tout, ces espaces héréditairement indécomposables ont déjà la propriété que leur algèbre d'opérateurs est petite. On peut dire que l'espace possède peu d'opérateurs. Alors, ces espaces HI, on peut dire qu'ils ont joué, ils continuent de jouer un grand rôle en théorie des espaces de Banach. Et je peux vous citer par exemple la fameuse dichotomie de Goerz, qui vous dit que si vous avez n'importe quel espace de Banach, quel qu'il soit, il contient toujours un sous-espace qui soit possède une base inconditionnelle, donc qui est très loin d'être héréditairement indécomposable, soit un sous-espace héréditairement indécomposable. Donc les sous-espaces héréditairement indécomposables, les espaces héréditairement indécomposables sont là dans la vraie vie. On ne peut pas faire sans. Alors, donc ça, c'est une première propriété remarquable des espaces d'Argyros et Haydon. Alors, un deuxième type de propriété, on peut dire de manière immédiate un peu plus terre à terre, c'est qu'il possède donc ce qu'on appelle une décomposition finie dimensionnelle. Alors ça, je l'écrirai toujours de manière abrégée FDD, de l'anglais Finite Dimensional Decomposition, et même une base de Schröder. Alors je vais rappeler brièvement ce qu'est une base de Schröder. Alors Schröder. Donc si vous avez une suite GN de vecteurs de X, GN est une base de Schröder de X, ou on dit souvent simplement une base de X, si tout vecteur de l'espace peut s'écrire de manière unique, donc il existe une unique suite de scalaires, donc tout vecteur peut s'écrire de manière unique sous la forme d'une série convergente, somme des alpha n GN. Donc ça correspond bien à l'idée naturelle qu'on se fait d'une base, et c'est une propriété très importante d'un espace, comme vous pouvez vous en douter, puisque ça fournit un système de coordonnées et donc permet de calculer dans l'espace. Alors il existe des espaces sans base de Schröder, mais qui sont de structure assez compliquée.
Alors, une décomposition finie dimensionnelle, c'est une généralisation, on peut dire, immédiate de la notion de base. Donc, c'est une suite de sous-espaces de dimension finie de X, donc, où chaque MN, donc, c'est un sous-espace de X de dimension finie. Donc, on dit que c'est une FDD de X. Si, donc, je déroule la définition, tout vecteur de X peut s'écrire de manière unique sous la forme d'une série convergente de vecteurs qui sont dans les espaces MN. Le cas d'une base de Schröder correspond au cas où tous les MN sont de dimension 1. Ah non, 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 non. Une série convergente, simplement. Dire, il y a après la notion de base inconditionnelle, de FDD inconditionnelle, où on demande que les choses soient inconditionnellement convergentes, mais là, on demande beaucoup plus. Voilà. Alors, bien sûr, quand on a une FDD, il y a une suite de projections associées à cette décomposition finie dimensionnelle. Donc, si J est un intervalle de N, et donc bien un intervalle et pas simplement une partie quelconque, donc la projection P indice J, eh bien, a un vecteur qui s'écrit comme ça, elle associe la somme pour N dans J, simplement, de ces vecteurs YN, et ces projections forment une famille uniformément bornée. Alors, pour travailler dans les espaces construits par Argyros et Haydon, donc j'aurai besoin, et je vais l'énoncer dès maintenant, de la notion de suite de blocs relativement à une FDD. Donc, il faut peut-être que j'écrive que, donc on suppose que l'espace à une décomposition finie dimensionnelle MN. Donc une suite XJ de vecteurs de X est une suite de blocs relativement à cette FDD. Si, en fait, elle peut s'écrire de la manière suivante. Donc il existe une suite PJ strictement croissante d'entiers et des vecteurs YK tant tous dans MK, tel que, en fait, chaque vecteur XJ s'écrit alors, comme la somme, pour K compris entre PJ-1 et PJ, des vecteurs YK. Alors, tout simplement, sur un dessin, ça veut dire la chose suivante. Donc, si ici, je représente les sous-espaces M1, M2, M3, etc. Eh bien, mon premier vecteur X1 est par exemple supporté ici, et puis le deuxième est supporté là, etc. Donc, ça s'appelle de manière naturelle une suite de blocs. Alors, je vais introduire une notation ici que j'utiliserai souvent par la suite. Donc, si X est un élément de l'espace vectoriel, pas fermé, hein, simplement l'espace vectoriel algébrique, engendré par MK, on appellera image de X, et je noterai image de X, le plus petit intervalle ouvert PQ, tel que X appartient en fait à l'espace vectoriel engendré par les MK, pour K compris strictement entre P et Q. D'accord ? Donc dans une suite de blocs, les vecteurs sont à images successives. Et je dirais que XJ est une suite de blocs bornée si simplement la suite est bornée. D'accord ? Donc le sup des normes de XJ est fini. Voilà. Alors, avec ce petit outil en main,
En fait, je peux dès maintenant vous énoncer le critère qui nous permettra de prouver qu'un opérateur est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Alors, ça n'est pas difficile à démontrer, c'est un petit raisonnement par l'absurde. Donc, supposons que votre espace X possède une FDD Mn. Soit T un opérateur borné sur X. Alors, ce que dit l'énoncé, c'est si pour toute suite de blocs bornés, relativement à la FDD Mn, donc je la note XJ, on n'a que la distance entre l'image de XJ par T et la droite réelle engendrée par XJ tend vers 0, quand J tend vers plus l'infini, alors eh bien, T est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Donc il existe un lambda réel tel que T moins lambda est compact. Donc déjà sur ce critère, vous voyez l'intérêt d'avoir une FDD, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus concret et manipulable que la simple définition de la compacité. Alors, donc, une dernière propriété de ces espaces d'Argyros et Haydon que je voudrais présenter. Alors, ces espaces sont à dual séparable et leur dual est isomorphe à petit L1. Donc petit L1, c'est petit L1 de N, l'espace des suites sommables. Alors ça, on pourrait se dire, en fait, c'est assez normal. Parce que si vous vous rappelez, petit L1 a une propriété remarquable qu'on appelle, entre analystes fonctionnels, la propriété de Schur, qui est que toute suite faiblement convergente dans petit L1 est en fait convergente en norme. Donc, pour montrer la compacité d'opérateurs à valeur dans petit L1, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Si vous voulez démontrer que n'importe quel opérateur, mettons, de L2 dans L1 est compact, c'est une conséquence directe de cette propriété de Schur. Donc, on pourrait se dire... excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Quand vous dites faiblement convergente, oui. Pour L1, il y a deux topologies faibles. Faiblement convergente, avec le dual et l'infini, simplement. Donc, voilà, c'est ça. Mais non, pas faible étoile, mais faiblement, le dual est beaucoup trop gros et donc la convergence faible, en fait, entraîne directement la convergence en norme. Alors, c'est quelque chose d'assez amusant qu'en fait, cette propriété de Schur n'intervient pas dans la preuve d'Argyros et Haydon. Alors, L1 apparaît, en fait, vraiment, vous allez le voir, de manière structurelle dans la preuve, mais pour une autre raison. Alors, ces espaces d'Argyros et Haydon sont en fait ce qu'on appelle des espaces de Bourguin-Delbin. Alors, les espaces de Bourguin-Delbin, donc, ils ont été introduits, comme leur nom l'indique, par Bourguin et Delbin au début des années 80. Et ce sont des classes de pré-duos d'espaces L1 remarquables. Et par exemple, ils ont fourni, comme vous savez, le pré-dual le plus canonique de petit L1, c'est petit C0, c'est celui que tout le monde connaît. Et c'est même isométrique. Et Bourguin et Delbin ont par exemple montré l'existence de pré-duos de petit L1 qui ne contiennent pas petit C0 et qui même sont saturés en espace réflexif. Donc c'est un travail ceci assez remarquable. Et donc la construction d'Argyros et Haydon repose sur ces espaces-là. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous parler plus en détail de ces espaces de Bourguin-Delbin. Alors, avant ce travail-là, Richard Haydon avait déjà beaucoup travaillé sur les constructions à la Bourguin-Delbin pour, on peut dire, généraliser et mettre dans un contexte plus clair. Alors, donc, un espace de Bourguin-Delbin, de manière très générale, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai besoin de poser un petit peu le contexte. Alors,
c'est construit à partir d'une suite d'ensembles finis. 2 à 2 disjoints. Et bon, on suppose que le premier est le cardinal 1, donc ce ne sont pas des sous-ensembles de quelque chose, de quoi, bon, juste des ensembles finis. Alors, un petit peu de notation. Donc, gamma 0, ce sera l'ensemble vide. Gamma n, l'union des delta p pour p allant entre 1 et n. Et gamma, l'union de tous les ensembles gamma n ou de tous les ensembles delta p, comme vous préférez. Alors, gamma, c'est bien sûr, ce n'est pas un scoop, un ensemble dénombrable. Et disons qu'au lieu de travailler avec petit L1 de n et petit L infini de n, qui sont les espaces qui apparaissent très traditionnellement, on va travailler, mais c'est complètement équivalent, c'est juste, vous allez voir, énormément plus pratique au niveau notation, avec les espaces L1 de gamma et L infini de gamma. Alors, je vais utiliser une notation pas très très canonique pour désigner les éléments de L1 de gamma, c'est-à-dire que je mettrai une étoile pour désigner tout ce qui appartient à L1 de gamma et pas d'étoile, tout ce qui appartient à petit L infini. Alors, c'est pas canonique, mais on en verra l'intérêt après. Voilà. Donc, L1 de gamma, ce sera ceci, avec la norme, bien sûr, associée. Et L infini de gamma, ce sera pareillement l'ensemble des familles indexées par gamma, telles que le sup pour gamma dans gamma de x gamma et phi. Voilà, et je noterai E gamma étoile, la base canonique de petit L1 de gamma. Alors, comment définit-on à partir de ça un espace de Bourguin-Delbe? Alors, la construction, en fait, repose sur la considération de base très tordue de petit L1 de gamma. Alors, si on prend une certaine famille de vecteurs de petit L1 de gamma, on dit que c'est une famille triangulaire donc si elle a la forme triangulaire suivante donc chaque des gamma étoiles en fait est une perturbation de E gamma étoile par un certain vecteur. Alors ce C gamma étoile, pour initialiser les choses, il vaut 0. Donc, pour le premier vecteur, d gamma étoile, c'est E gamma étoile. Et si gamma est dans un certain ensemble delta n, pour un certain n plus grand que 2, eh bien, c gamma étoile, il appartient à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs e xi étoile pour xi dans gamma n moins 1. D'accord ? Alors, le mot triangulaire s'entend tout à fait dans ce contexte, d'accord. Alors, je dirais dans toute la suite de l'exposé qu'en fait, si gamma est un élément de delta n, son rang est égal à n. D'accord. Et donc, une famille triangulaire vous dit que si l'élément est de rang n, le C gamma étoile associé appartient à l'espace vectoriel engendré par les xi étoiles pour xi de rang strictement plus petit que n. Donc, ça correspond bien à l'idée qu'on a en algèbre linéaire d'une famille triangulaire. Alors, donc, pour construire ces espaces de Bourguin-Delbe, alors, je vais dire quelque chose que je ne vais pas définir immédiatement, mais je le définirai dans 5 minutes. Donc, si C gamma étoile est ce qu'on appelle une famille de BD vecteurs, alors BD, c'est pour Bourguin-Delbe. Donc ça, vous allez voir ce que c'est comme condition, mais pour le moment, je le laisse en suspens. Alors, donc, on peut définir une famille de fonctionnels biorthogonales à la famille des gamma étoiles.
Donc, ces fonctionnelles bi-orthogonales, je les appellerai des gamma. Donc, chaque des gamma, c'est un élément du dual de L1 de gamma. Donc, c'est un élément de L infini de gamma. Et dire que c'est une fonctionnelle bi-orthogonale, ben, comme vous vous en doutez, c'est simplement dire que ça, ça vaut 1 si gamma égale gamma prime et 0 si. Alors, on peut faire ça et puis... je ne crois pas. C'est-à-dire qu'ici, j'ai écrit C étoile. En bas, c'est D. C'est D. Ma famille triangulaire, c'est bien D. Donc, les C, c'est la perturbation du E, mais... Voilà. Alors... Donc, si on a cette famille de BD vecteurs, on peut faire des tas de choses. Mais déjà, on peut faire ça. Et alors, l'espace de Bourguin-Delbin associé, eh bien, le voilà, je peux le définir. Donc, il est associé à gamma et à cette famille des gamma. Et alors, c'est le sous-espace de L infini de gamma engendré par ces vecteurs des gamma pour gamma dans gamma. Donc, ça, c'est... l'espace de Bourguin-Delbin associé à ces données. Alors, comme vous le savez, petit L infini de gamma, ça n'est pas un espace séparable, mais là, je prends l'espace vectoriel engendré par une famille dénombrable de vecteurs, donc ça, c'est bien un espace séparable. Alors, on peut déjà, ici, juste sur cette définition très, très théorique, souligner un point important et novateur de la construction de Bourguin et Delbin, c'est que si vous connaissez un petit peu des exemples de construction d'espaces de Banach bizarres, d'habitude, la façon standard dont on s'y prend, c'est on prend, par exemple, l'espace des suites finies et on le complète relativement à une norme très bizarre et très tordue. Donc, en fait, toute la complexité de la construction est portée sur la norme. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Il n'y aura pas d'autres normes dans mon exposé que la norme petit L1 et la norme L infini. Par contre, les vecteurs des gamma, eux, ils peuvent être très très compliqués. Et donc, toute la complexité de la construction se porte sur l'espace de base et non pas sur la question de la norme. Alors, que peut-on dire sur cet espace quand on a ces conditions-là, un peu boîte noire pour le moment, sur ces gamma étoiles? Alors, dans ce cas, il y a... deux familles de sous-espaces de L1 de gamma et de L infini de gamma qu'on peut définir de manière naturelle. Donc En, ce sera l'espace vectoriel engendré par les D gamma étoiles. Donc ça, c'est un sous-ensemble de L1 de gamma. Et puis il y a Mn, donc c'est les sous-espaces dont je me servirai le plus, qui sont les espaces vectoriels engendrés par les D gamma. Donc ça, c'est des sous-espaces de L infini de gamma, mais aussi, bien sûr, des sous-espaces de l'espace de Bourguin-Delbin. Voilà. Et disons un énoncé important, c'est que, donc si on a ces fameuses conditions sur les C gamma étoiles, alors En... c'est une décomposition finidimensionnelle de L1 de gamma. Donc, comme je vous disais, c'est ce qui joue le rôle d'une base tordue de petit L1 de gamma. Et les Mn, eux, forment une FDD de l'espace de Bourguin-Delbin. Donc, les Mn forment une décomposition finidimensionnelle de X... de gamma des gamma. Alors, en fait, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais dans tous les cas qui nous intéressent, cette FDD a en fait une propriété supplémentaire. Elle est ce qu'on appelle contractante. Et ça, la reformulation de ça qui nous intéresse, c'est que toutes les fois
que je considère une suite de blocs bornée relativement à cette décomposition finie dimensionnelle Mn, eh bien xj tend faiblement vers 0. Donc c'est une propriété dont je me servirai par la suite. Et quand on a une FDD contractante comme ça, il n'est pas très difficile, en s'appuyant sur des résultats très classiques, de démontrer que le dual de l'espace est isomorphe à petit L1 de gamma. Donc c'est pour ça on peut dire que l'espace est isomorphe à petit L1. Donc un élément de petit L1, en fait, on le considérera toujours comme un élément du dual de l'espace de Bourguin-Delbin. Et donc c'est pour ça que j'utilise une notation étoilée pour les éléments de petit L1 et une notation pas étoilée pour les éléments de l'espace. On travaillera tout le temps ici, donc c'est normal de ne pas se compliquer la vie en mettant des étoiles. Et les éléments de petit L1, c'est des éléments du dual, donc on les voit comme ça. Alors, donc maintenant, il faut bien que je vous dise ce que c'est qu'une famille de BD vecteurs. Alors, donc, c'est gamma, étoile, donc c'est une famille de vecteurs de petit L1. Donc, c'est une famille de BD vecteurs si elle est construite par récurrence sur le rang de gamma. Donc, je vous rappelle, un élément est de rang n si gamma est dans delta n sur le rang de gamma, de telle sorte que, alors, il existe un réel θ compris entre 0 et 1/2, tel que, alors, donc, si gamma est de rang 1, c'est gamma étoile vaut 0, ça je l'avais déjà dit, c'est pas bien malin. Et la deuxième chose, c'est donc si gamma est de rang n, pour un certain n plus grand que 2, alors c'est gamma étoile a l'une des deux formes suivantes. Alors c'est gamma étoile, ça peut être donc un multiple d'un élément B étoile. Alors, bêta sera un élément compris entre 0 et θ, et B étoile, un élément de la boule unité de l'espace petit L1 de gamma n-1. Alors ça, c'est ce qu'on appellera un élément de type 1. Et comme vous vous en doutez, il y a aussi les éléments de type 2 qui sont plus compliqués. Donc, c'est gamma étoile, cette forme-là. Donc là, il y a un E devant. Voilà, B étoile. Alors, P est compris strictement entre 0 et N-1. Xi est de rang P. Et l'élément B étoile appartient à la boule unité de L1 de gamma N-1 privé de gamma P. J'espère que vous arrivez encore à lire. Voilà, et donc ça, c'est un élément de type 2. Alors, donc c'est un peu indigeste, on va regarder un petit peu ça. Alors, déjà, c'est une notation intuitive, mais je vais la préciser. Hein. Ce qu'on appelle P étoile, je vous ai dit que quand on avait une FDD MN, on avait des projections associées à la FDD. Donc ici, je les note PJ, et EN, qui est une FDD de L1 de gamma, ces projections, je les note PJ étoile. Alors ici, bien sûr, quand on définit ça comme ça, on ne sait pas encore que EN est une FDD de L1 de gamma. Donc ça, ça doit être entendu simplement au sens algébrique, mais ça a bien un sens. Alors, ensuite, donc pour comprendre un petit peu cette définition, je pense que le mieux est de voir ce qu'on veut en faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans tout ça ? Donc, j'ai un certain espace de Bourguin-Delbin associé à une. C'est construit à partir d'une certaine famille de BD vecteurs comme ça. Et je voudrais démontrer que n'importe quel opérateur dessus est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Alors, pour ceci, j'ai laissé au tableau, là tout là-haut, le critère de compacité. Donc, on va travailler sur des suites de blocs.
Alors, on aura donc certains des vecteurs successifs dont l'image, c'est un certain intervalle ouvert, PQ. Et d'une manière ou d'une autre, il est clair qu'on aura besoin de calculer ou d'estimer la norme de ces vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, la norme de X, hein, je vous rappelle, la norme, elle n'est pas compliquée, c'est simplement le sup de module de X gamma sur les coordonnées. Et X de gamma, ben, je peux aussi le réécrire, X appliqué à E gamma étoile est dans la base canonique. Alors, d'autre côté, qu'est-ce que je sais sur X ? Ben, son image, c'est PQ. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que X, il s'écrit comme ça. Donc c'est une somme pour K compris entre P et Q, de somme pour gamma, donc delta K. Et puis ici, c'est X scalaire des gamma étoiles, des gamma. Donc en fait, on voit bien quel va être le problème. On sait quelque chose sur X relativement aux coordonnées dans la base D, et on voudrait savoir des choses sur X relativement aux coordonnées dans la base E. Donc, il faut bien réussir, à partir des D gamma étoiles, à faire une correspondance avec les E gamma étoiles. Alors, comment est-ce que ça se fait ? Ben, facilement. C'est un des premiers intérêts de la définition d'une famille de BD vecteurs. Alors, E gamma étoile, c'est C gamma étoile. Pardon, c'est... qu'est-ce que je raconte ? Alors, comment est-ce que j'étais mise ? D gamma étoile, c'est E gamma étoile, donc c'est D plus C gamma étoile. Alors, l'élément C gamma étoile est de type 1, ben ça, c'est D gamma étoile plus bêta, ce vecteur B étoile. Et bon, après tout, c'est une expression de E gamma étoile en fonction des coordonnées D. Si l'élément est de type 2, eh bien, c'est D gamma étoile plus ce fameux E xi étoile plus quelque chose relativement à la base D. Donc ça, c'est en D, ça, c'est en D, ça ne l'est pas. Mais ça, il suffit que je le redécompose encore un coup. Et au bout du compte, j'aurai décomposé mon E gamma étoile en quelque chose qui dépend simplement des D gamma étoiles. Alors ça, un petit raisonnement par récurrence, ou enfin, juste regarder la chose quand on a un peu l'habitude, vous dit qu'on a une décomposition comme ça. Alors, donc, quel que soit gamma dans gamma, de rang n. Alors, il existe un certain entier A plus grand que 1, et il existe des entiers P0, P1 jusqu'à PA, PA étant égal à n. Il existe des éléments xi de gamma de rang PI, de poids. Alors, oui, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû dire à cet endroit-là et que je n'ai pas dit. Toutes mes excuses. Donc, le bêta, ça s'appelle le poids de C gamma étoile ou simplement de gamma. D'accord ? Donc, c'est ce coefficient-là qui apparaît devant le vecteur de petit l. Donc, ici, je reprends. Donc, à partir de mon élément gamma, j'ai des entiers comme ça. J'ai des xi. J'ai, donc, ces xi, ils sont d'un certain poids bêta i. Et il existe des éléments bi étoiles qui sont dans la boule unité de L1 de gamma pi moins 1, privé de gamma pi moins 1, tel que E gamma étoile s'écrivent comme la somme de i égale 1 à 1 de d xi i étoile plus la somme de i égale 1 à 1 de bêta i p étoile de p i moins 1 p i d i étoile. Donc la preuve de cet énoncé, c'est simplement la décomposition que j'ai esquissée ici et que on descend jusqu'à ce qu'on ne puisse plus.
Ben non, ça peut être aussi pour les types 1. Voilà, ils seront d'âge 1. Je vais juste définir l'âge, mais c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appellera l'âge de l'élément gamma. D'accord ? Donc c'est le nombre d'étapes dont il faut descendre pour que la construction s'arrête. Et la donnée donc, de ces éléments gamma, de ces entiers et de BI étoiles, on appellera ça l'analyse de gamma. L'idée étant que quand on connaît l'analyse de gamma, on connaît tout sur gamma. Alors, donc je vais maintenant vous présenter une propriété. Alors, la terminologie n'est pas excellente, mais faute de mieux, c'est celle qu'on va utiliser, qui s'appelle la propriété d'analyse. Alors, donc, comme vous vous en doutez, bon, il faut commencer un peu à serrer les écrous pour réussir à faire quelque chose. Et donc, cette propriété d'analyse a justement pour but de serrer les écrous et de cadrer un petit peu les choses. Donc, on dira que l'espace de Bourguin-Delbin X gamma D gamma a la propriété d'analyse s'il possède deux propriétés. Alors, d'une part, tout élément gamma aura une analyse, mais avec certaines restrictions sur les paramètres, sur les poids, sur l'âge, des choses comme ça, donc qui permettent notamment d'avoir des choses finies plutôt que des choses infinies. Et elle a un deuxième volet qui est une propriété de richesse. Donc, on dit, d'une part, tout élément a une analyse de cette forme-là, donnée par certaines données. Et d'autre part, si je me donne des données compatibles, eh bien, je peux toujours trouver un élément dont l'analyse est donnée par ces données. D'accord ? Donc, d'un point de vue intuitif, c'est assez clair. Alors, à écrire, c'est un peu pénible, donc j'y vais. Alors, donc, on dit que l'espace a la propriété d'analyse. Donc, on va coder les choses par deux suites d'entiers. Donc, ces suites d'entiers, donc, elles auront la propriété que Nj est extrêmement et très grand par rapport à Mj. Alors, tout ça, c'est quantifiable, hein, bien sûr, même si je ne le quantifie pas. Et il existe pour tout n et pour tout p, compris entre 0 et n, un certain ensemble Bpn qui est alors un, pour dire proprement, un 2 puissance moins n réseau bien choisi de la boule unité de L1 de gamma n privé de gamma p. Alors, vous allez voir que cette suite MJ sert à coder les poids, la suite NJ sert à borner l'âge, entre autres, et ce 2 puissance moins n réseau, il n'a pas un rôle très profond, c'est simplement qu'on veut coder les choses de manière finie, et pour coder la boule unité d'un espace de dimension finie, comme L1 de gamma n privé de gamma p de manière finie, ben, on prend un certain sous-ensemble fini qui approxime bien tout ce qu'il faut. Alors, donc qu'est-ce qu'on va demander ? Donc, on va demander à ce que, déjà, donc comme je vous ai dit, la propriété d'analyse, donc on demande à ce que l'espace possède une propriété de structure. Alors, donc qu'est-ce qu'on demande ? Je vais le reprendre sur ça. Donc, pour tout élément de rang n, on va demander à ce que gamma soit de poids 1 sur mj pour un certain entier, compris entre J et N. Donc ici, on ne s'autorise pas à tous les bêta, on demande à ce que ce soit de la forme 1 sur MJ. Après tout, pourquoi pas. Donc on demande à ce que ce A, qui est l'âge, il soit compris entre 1 et NJ. Donc on ne peut pas, pour les éléments de point 1 sur MJ, avoir des éléments d'âge trop grands. Donc, il existe une certaine suite d'entiers comme ça. Il existe des éléments de rang PI. Je vais demander à ce que, et ça c'est une autre restriction importante, le poids de ces éléments soit de la forme 1 sur MJ. Donc, en première approximation, le poids pouvait être très différent quand on descendait le long de l'analyse. Ici, voilà, tous ces éléments qui vont servir à reconstruire gamma, je demande à ce qu'ils aient le même poids. Et ici, ces BI étoiles, au lieu de demander simplement à ce qu'ils soient dans la boule unité, je serre un coup et je dis, je demande à ce qu'ils soient
dans la boule unique, dans cette, ce 2 puissance moins n réseau, PI moins 1, PI moins 1. Voilà, donc je demande à ce que tout élément ait une analyse de cette forme codée par ces données. Alors, j'ai peut-être quand même laissé au tableau la partie définition. Voilà, donc ça c'est la première partie de ce qu'on appelle la propriété d'analyse. Et la deuxième partie, c'est la partie richesse, donc réciproquement. Donc, quand je me donne des données compatibles, il y a un élément dont l'analyse est ça. Donc ça, ça veut dire, ben, pour tout J plus grand que 1, pour tout entier A compris entre 1 et NJ, pour tous entiers P0, P1, PA, pour tous éléments BI étoiles de mon réseau BPI-1, PI-1, il existe des éléments xi de gamma de rang PI, de poids 1 sur MJ, tel que, ben, si je considère gamma comme étant le dernier élément de l'analyse, il est d'analyse. Donné par les XI, les PI et les BI étoiles. Voilà. Donc ça, c'est un genre de réciproque. En fait, quand je peux, ça se passe bien. Alors, je monte. Alors, avant de passer à la dernière partie de mon exposé qui devrait vous présenter une stratégie de preuve, je voudrais finir par un exemple, parce que, après tout, voilà, on aimerait considérer des espaces de Bourguin-Delbin ayant la propriété d'analyse, mais on n'a pas construit encore pour le moment un seul exemple d'espace de Bourguin-Delbin. Alors, en fait, ça n'est pas du tout si compliqué que ça, en fait, d'en construire. Donc, vous vous souvenez, il faut construire les ensembles delta n qui participent à la construction de l'ensemble gamma. Donc le premier est de cardinal 1, le voilà. Et pour n plus grand que 2, donc delta, donc ce, seront des, une famille, ce sera une famille construite par récurrence sur n. Et il y aura à l'intérieur les éléments de type 1 et les éléments de type 2. Donc les éléments de type 1, les voilà. Et les éléments de type 2, donc ce sera ça. Alors c'est un petit peu long à écrire, mais c'est pour que vous voyez concrètement comment se font les choses. Donc c'est une construction par récurrence sur n, l'âge de xi est strictement plus petit que MJ, et B étoile appartient à B, B, N. Alors, bon, je ne vais pas m'étendre sur cette définition qui est un petit peu monumentale. Il y a deux choses que je voudrais mentionner. D'une part, avec un peu d'habitude, ça n'est pas difficile, hein, de vérifier que la propriété d'analyse est vérifiée. Ça n'est pas un résultat très compliqué. D'autre part, voyez ici à quel point la construction des espaces de Bourguin et d'Albin, c'est flexible. C'est-à-dire, delta n, ça peut être essentiellement n'importe quoi. La difficulté, c'est de comprendre les propriétés que doivent vérifier les ensembles delta n, mais ensuite... comme ce sont les delta n simplement des ensembles finis, on peut poser les choses exactement comme on le souhaite. Et enfin, on a utilisé ici une notation qui est extrêmement pratique et que je garderai dans les dernières minutes, qui est qu'en fait, ces gamma étoiles est automatiquement codé par l'élément gamma. D'accord ? C'est-à-dire que
Si gamma, c'est ça, ben, je peux vous dire exactement, c'est gamma étoile, c'est e xi étoile, plus 1 sur mj, machin. Donc, on n'a plus du tout besoin de faire référence au c gamma étoile en faisant quelque chose comme ça. Voilà, alors allons-y pour une stratégie de preuve. Donc, je me place dans un espace de Bourguin-Delbin. Donc, je le noterai simplement maintenant x gamma, parce que tout est codé dans gamma, j'ai plus besoin de faire référence à autre chose. Et on supposera toujours qu'il a la propriété d'analyse, ce qui est non vide, comme nous avons vu. Voilà. Alors, pour démontrer que tout opérateur dessus est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact, j'aurai besoin de savoir des choses sur des suites de blocs bornés. Le critère est encore là-haut. Alors, en fait, pour savoir des choses, on ne va pas savoir des choses sur toutes les suites de blocs bornés, mais sur une classe particulière de suites de blocs qu'on appelle les super suites de blocs. Alors, je ne vais pas vous en donner la définition, mais tout ce qu'il est important de savoir pour la fin de l'exposé, c'est qu'en fait, il y en a suffisamment pour que dans tous les raisonnements qu'on sera amené à faire, quand on suppose que quelque chose est une suite de blocs, on peut supposer que c'est une super suite de blocs. Et c'est quelque chose qui permet de faire les calculs. Alors, le cœur de la preuve d'Argueros et Haydon, ce sont des estimés sur des moyennes de super suites de blocs. Alors, la première partie de cet estimé dit la chose suivante. Pour tout j plus grand que 1, si je regarde les moyennes d'ordre nj de xk, alors ça, c'est plus petit qu'une certaine constante, enfin, c'est même 10 fois la constante, mais ça n'a pas beaucoup d'importance sur mj. Alors, en fait, une super suite de blocs bornés, dans la définition, se balade une constante qui, en particulier, borne la suite. Et donc, dans l'énoncé, apparaît 10 fois cette constante. Voilà. Donc, ces moyennes décroissent vers 0 à la vitesse 1 sur mj. Et alors, quand on prouve ce résultat, donc ça se fait à partir justement de l'analyse d'éléments de l'espace, la norme qu'on calcule, c'est une norme infinie, d'accord ? Donc, on calcule le sup sur les coordonnées, et on se rend compte qu'en fait, là où on obtient l'estimée la moins bonne, et donc qui donne ce facteur 1 sur mj, c'est lorsque l'élément gamma est justement de poids 1 sur mj. Donc, il y a... Alors, ici, c'est un n. Voilà, donc ça, c'est un n. N et n. Et de l'autre côté, c'est un m. Voilà. M étant beaucoup plus petit que n. Donc, ce théorème a un pendant où on suppose qu'on sait quelque chose sur les éléments de poids 1 sur mj. Donc, si pour tout élément de gamma de poids 1 sur mj, la série des modules de xk de xi est plus petite que c, alors, en fait, on a une estimée qui est bien meilleure. Donc, quand je regarde ces moyennes, j'ai une estimée de l'ordre de 1 sur mj carré et non pas de l'ordre de 1 sur mj. Voilà. Alors maintenant, ben, allons-y, prouvons le théorème d'Argueros et Haydon à partir de ces estimés. Alors pour ne pas avoir à trop effacer, je vais réécrire ici l'estimé du théorème 1 et terminer sur la droite du tableau. Alors, donc que veut-on faire? Alors, donc, j'ai un opérateur sur mon espace de Bourguin-Delbin et je voudrais montrer qu'il est somme d'un opérateur scalaire et d'un opérateur compact. Donc, la négation du lemme qui est là-haut vous dit qu'il existe
une certaine suite de blocs bornés, hein, et quitte à extraire une sous-suite, un certain delta positif, tel que pour tout j, la distance de Txj à la droite engendrée par Xj, c'est plus grand que delta. Et donc, comme je vous disais, cette suite de blocs, je peux supposer que c'est une super suite de blocs. Alors, je vous ai dit au début de l'exposé que la DDMN était contractante, donc Xj tend faiblement vers 0, Txj tend aussi faiblement vers 0, et quitte à remplacer T par une petite perturbation nucléaire de lui-même, je peux supposer qu'il existe une certaine suite Pj strictement croissante d'entier, telle que pour tout J, l'image de Xj est contenue dans l'intervalle Pj-1, Pj, ainsi que l'image de Txj. Donc j'extrais des sous-suites si besoin. Voilà. Alors, ensuite, bon, il y a cette hypothèse là de distance. Donc la façon naturelle de l'exploiter, c'est un argument de type théorème de Hahn-Banach. Et alors, un petit peu amélioré, ça vous dit qu'il existe un élément dans la boule unité de L1 de gamma PI-1 privé de gamma PI-1. Donc, sans perdre trop en généralité, je suppose qu'elle est dans mon réseau, tel que Xj Bj étoile ce soit nul et T Xj Bj étoile ce soit plus grand que delta sur la constante de la FDD, disons delta sur 2. Voilà, donc là, j'ai des données pour pouvoir appliquer la partie richesse de ma propriété d'analyse. Donc j'applique là cette propriété 2. Alors j est donné, je l'applique avec A égale Nj, avec mes entiers Pi, pour i compris entre 1 et Nj, et avec mes éléments Bi étoile. Donc ça, ça me dit, il existe un élément gamma J de poids 1 sur Mj et d'analyse donnée par certains Xi, Pi, Bi étoile pour i compris entre 1 et l'âge, l'âge étant ici Nj. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Ben, si je prends un k qui est compris entre 1 et Nj, quand on écrit l'analyse de l'élément gamma J là, que j'ai construit, eh ben, ça n'est pas très difficile de voir que xk de gamma J vaut 0 et que txk de gamma J est plus grand que delta sur 2mj. Hein, le mj sort parce que c'est le poids qui est devant. Alors, à partir de là, ben, il est naturel de considérer les moyennes d'ordre nj de la suite xk. Alors, que peut-on en dire ? Ben, d'une part, la norme de zj, comme j'ai supposé que ma suite était une super suite de blocs, je peux lui appliquer les estimés du théorème A, et j'obtiens ici que la norme de zj est plus petite que c sur mj. D'autre part, si je regarde T de Zj, sa gamma Jm coordonnée, eh ben ça, je fais simplement des sommes, et c'est plus grand que delta sur 2mj. Je vous rappelle que la norme de Tzj, c'est le sup sur les coordonnées, donc en fait ça, ça a pour conséquence que la norme de Tzj, elle est plus grande que delta sur 2mj. Et donc, si je fais la petite cuisine usuelle, ça, c'est plus grand que delta sur 2 normes de T, Mj. Alors, on voulait obtenir une contradiction et c'est raté, d'accord ? Parce qu'on a Mj des deux côtés et il n'y a rien du tout de contradictoire là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas utilisé l'hypothèse, d'accord ? Alors, on a utilisé une partie de l'hypothèse. Donc cette partie Txk de gamma J plus grand que ça, on l'a utilisée, mais cette partie-là, on ne l'a pas utilisée du tout. Et donc il est normal que quelque chose cloche quelque part. Alors comment pourrait-on l'utiliser ?
Une idée naturelle serait de dire on va essayer d'utiliser cette hypothèse pour montrer que l'hypothèse étoile du théorème B est vérifiée. Et si on arrive à faire ça, donc ça je dis avec beaucoup d'optimisme, ça implique l'hypothèse étoile du théorème B, et bien ici, fort heureusement, s'introduit un carré. Et là, on a bien une contradiction et donc on peut démontrer le théorème. Alors, pourquoi est-ce que cette hypothèse pourrait impliquer l'hypothèse étoile du théorème B ? Eh bien, on doit savoir quelque chose sur les éléments de poids 1 sur mj. On a un élément de poids 1 sur mj qui nous tend les bras, c'est gamma j. Et pour cet élément, vu que ça fait zéro, l'hypothèse est bien vérifiée. Et pour tous les éléments de l'analyse, c'est pareil, cette hypothèse est bien vérifiée. Donc, on aurait envie de dire, soyons fous, si jamais il n'y a que ces éléments de poids 1 sur mj, l'hypothèse étoile sera vérifiée et donc on pourra conclure. Alors, évidemment, là, on en demande trop, d'accord ? Parce que la partie richesse de la propriété d'analyse demande à ce qu'il y ait beaucoup d'éléments de poids 1 sur mj, tandis que là, je suis en train de vous dire, en fait, ça m'arrangerait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc, malgré tout, l'idée de la preuve est là, et pour réussir à la faire fonctionner, il faut compliquer assez substantiellement la construction. Donc, modifier la définition des delta n telles que je vous les ai données, introduire des éléments de poids pairs, des éléments de poids impairs, beaucoup d'éléments de poids pairs, peu d'éléments de poids impairs, et faire deux suites de moyennes. On moyenne un premier coup avec des moyennes d'ordre pair, et ces moyennes obtenues, on les remoyenne un deuxième coup pour les éléments d'ordre impair, et on arrive à désynchroniser les deux phénomènes, et c'est ainsi que Argyros et Haydon démontrent leurs résultats. Voilà, merci beaucoup. La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que si un espace possède très peu d'opérateurs, on peut dire que l'espace est petit en un certain sens ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par espace petit. Ce qu'on peut dire, c'est que, il n'y a que des projections triviales, par exemple, des choses comme ça. Après, quantifier la petitesse de l'espace, il faudrait que la question soit plus précise pour que je puisse vous dire quelque chose, mais a priori, ce que je peux dire, c'est que on sait maintenant qu'on peut construire des espaces possédant très peu d'opérateurs qui, par exemple, contiennent l'espace de Hilbert de manière isomorphe. Donc, d'un point de vue structure, l'espace lui-même peut contenir des espaces très sympathiques et donc,